voyez qu'il faut s'entraîner, voyez qu'il faut continuer là. Yes. Là franchement on l'a mérité celle-là. Hop là, let's go. Yo l'équipe, yo 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 yo, j'espère que vous êtes chaud, que tout le monde va bien. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un live encore une fois. On va essayer de faire nos petites attaques légendes, on va voir si ça se passe mieux que d'habitude encore une fois avec du Minogue les gars. Faut savoir que je regarde en plus plein de vidéos toute la journée pour essayer d'apprendre le Minogue. Donc on va voir si ça... Mais en plus les gars, attendez, je sais pas si je peux vous le montrer là. Mais en plus j'ai fait... Il y en a plein qui me disent ouais Alex, faut que tu t'entraînes en défi, etc. Je me suis entraîné récemment. Et regardez, je sais pas si j'ai le gameplay ici. Ouais attendez, j'ai le gameplay ici. J'ai réussi à faire un perf en plus avec cette compo les gars. Je vais vous le montrer en exclus. Gameplay, je sais pas si vous allez pouvoir le voir ici avec le partage. Hop, normalement ça devrait marcher. Tac, si je fais ça, ça, est-ce que vous le voyez? Hop, alors attendez, c'est décalé. Mais ça les gars, c'est un gameplay que j'ai fait contre Quentin. Et vous allez voir que j'ai réussi à perf avec cette compo en plus. Regardez, j'ai réussi, bon une fois certes, mais j'ai réussi, regardez la bête de base qui est en face. Après les gars, c'est au bout de je sais pas combien d'entraînement. Mais regardez les gars, sur cette attaque, attendez, je vais essayer de vous la remettre depuis le début. Hop, je vous la remets au début. Comme ça vous voyez tout. Là au début j'ai fait mon funnel sur le côté ouest de la base, pardon, à 9h, voilà. J'ai envoyé ma reine ici, j'ai envoyé mon petit super sapeur juste là. Let's go, l'ouverture était faite. Mon but ici, il était simple. Aller chercher cette catapulte, aller chercher cette TDE et faire sortir ce château de clan. Hop là. Là j'envoie mon deuxième super sapeur ici pour faire l'ouverture. Hop là. La reine qui vient gérer avec les sorts de rage. MDR, insane ce gameplay, ouais voilà, ceux qui sont dans le clan le savent. Ce gameplay les gars il est insane. Et je vous jure que c'est moi qui attaque. Vous pouvez demander au mec du clan etc. On s'était mis à train tout ensemble. Le pire c'est que voilà, je connais la théorie de l'attaque, mais je sais pas l'appliquer. En fait le problème aussi c'est que j'arrive pas à analyser les bases bien comme il faut. Et j'arrive pas à savoir dans quel angle d'attaque est le meilleur, enfin quel angle d'attaque est le meilleur pour attaquer et tout. Et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tu la perfs deux fois, je la perfs trois fois même Zarko. Après c'était la même base. Petit sort de gel ici, magnifique, regardez le sort de gel ici, qui a gelé le PK, GDG, qui a gelé le roi, qui a tout gelé. Hop, le petit sort de poison ici qui a servi du coup pour gérer ce château. On a ensuite du coup les PK, la caserne PK qui a été envoyée là-haut. La caserne qui a été envoyée avec voilà les troupes etc pour funnel avec le roi. J'ai envoyé directement mes hog et mes mineurs. Premier sort de soin qui a été envoyé directement. Deuxième sort de soin au milieu parce qu'il y avait beaucoup de pièges et qu'il y a le l'eagle qui fait beaucoup de dégâts etc. Et que mon but était vraiment d'aller chercher l'eagle. Donc voilà, le sort de soin, la kappa warden qui a été utilisé ici. Le troisième sort de soin. Alors là par contre je me suis chié au niveau de mes soins. J'ai balancé clairement mes trois soins au même endroit. C'était pas fou. GG joué à QH. Ouais. Mais le pire c'est que voilà, j'ai la théorie, mais j'arrive pas à voir la pratique les gars. Ça m'énerve. Vous allez voir l'attaque là, elle passe bien hein. Vraiment hein. Vous allez voir, ça se passe super bien tout le long. En plus c'était une base full max. La base de Quentin c'est une base qui est full max. Et regardez là, j'arrive à la perf. Même Alex Calibur a réussi à la perf. Et donc ça m'énerve parce que j'arrive pas à refaire ça lors de mes attaques en live. Et ça, ça m'énerve. Ça, je vous jure, ça me fout le démon. Parce que j'ai réussi à la faire quoi. Théox est super bien placé là. Mais oui, regardez cette attaque. On dirait pas moi qui attaque. On dirait que c'est un mec qui sait jouer qui attaque, tu vois. Genre cette attaque elle est ouf. Je les règle parce que vraiment j'étais trop fier de moi. Je suis en mode putain, elle est incroyable cette attaque. Waouh, tu vois. Et là, regarde, ça passe. Ça va chercher le perf. Elle était trop bien. Mon roi en plus à la fin il est quasiment full vie, ma reine elle est quasiment full vie. Franchement ça passe bien en plus, tu vois, il y a le warden encore et tout, il y a tout. Et voilà. Et j'arrive pas à refaire ça en attaque et ça m'énerve. J'arrive pas à refaire ça lors de mes attaques en jeu ici et ça m'énerve, je vous jure. Wow, cette base les gars ça va être beaucoup trop chaud ça. Ça va être beaucoup trop chaud ça. Voilà, je sais même pas quoi faire là. J'ai juste envie d'attaquer par le sud. Mais... on va chercher le CDC car il y a une multi, ouais. On est d'accord. Hop là. Là, clairement, je prends la caserne, hein, je pense. Je veux pas qu'elle remonte, ma reine. Je veux pas qu'elle remonte. Non. Va sur le côté. Va sur le côté. Voilà, nice. Hop. Faudra l'enrager très vite. Merci beaucoup, Andy, pour le don de 2€, poteau. Ça fait plaisir. Merci, frérot. Allez là, va chercher le CDC là. Nickel. Hop là. Le gel ici. Le gel OP ici.
faut réenrager cette reine. Hop là, let's go. On va refaire une ouverture ici peut-être. Ok, la reine qui va chercher le roi, c'est pas dégueu ça. Pour commencer. Hop, hop. Ok, on a fait un start pas dégueu, j'ai l'impression. Hop là. Premier soin ici. J'ai bien envie de mettre ça là parce qu'il y a beaucoup de DPS ici. Hop là, la T2 qui va faire mal là-haut. Hop, il nous reste encore un soin. Allez, gars, je tryhard là. Parce qu'en soi, c'est pas trop dégueu. Dernier soin ici. Ok. Franchement, il y a de l'amélioration, j'ai l'impression. On est à 76%. Il nous reste encore pas mal de mineurs. Il nous reste encore les héros. Les gars. Attends. Je veux pas m'emballer. Ça perd ça, non? Yes! Vous voyez qu'il faut s'entraîner. Vous voyez qu'il faut continuer, là. Yes! Oh, ah les gars, là franchement, on l'a mérité. Là franchement, on l'a mérité celle-là. Hop là, let's go! Let's go! Let's go! C'est pas une base max. Parce que le mec, il a une reine 14, là il a un roi 65, là il a un warden 46, ce que tu veux. Mais franchement, vu mon niveau à moi, ça fait 3 jours qu'elle vient de se faire avec cette compo de Minox. Ça fait 3 jours que vous êtes là. Mais Alex, change de compo, tu pues la merde. Regardez ça. Ah les gars, là je suis refait, il est si heureux. Mais ouais. Bon après les gars, j'ai fait un perf genre. En mode toutes mes autres attaques sont faites, j'ai fait un perf, je suis trop content. Je pue toujours la merde, certes. Mais franchement, je suis quand même content. Franchement, je suis quand même content les gars. Vas-y, je vous lâche une petite sauce au dance là. Je suis refait. Ah ouais. Ah les gars, je suis un gosse, je suis tout content là. J'ai fait mon perf, je suis tout content, je peux trop vous le montrer. C'est trop le petit qui a eu une bonne note, qui veut montrer la bonne note à ses parents. Regardez, ça c'est ma bonne note, ça c'est mon 20 sur 20 ça. Ça c'est mon 20 sur 20 ça. Les gars, je suis tout content. Sur la prochaine attaque, let's go. Est-ce qu'on va pouvoir les enchaîner les perfs? Je ne pense pas, mais franchement ça serait beau. What? Alors ça poteau, je ne sais pas comment je l'attaque. Parce que là, il y a tous les DPS en haut. Je suis en panique là. Là je suis en sueur là. Là je suis en sueur de ouf. Comment je fais les gars? Comment je fais les gars? Pire base en minog. Bah super, ça m'aide. Des mines ballon. Comment ça des mines ballon? Vas-y, tu le perf, attaque en haut, pose des ballons. Mais pourquoi? Bah attendez, je peux pas faire comme ça là-haut. Bon, je panique. Vas-y les gars, j'ai... Non mais vas-y là, j'ai bégayé, je sais pas, attendre, je bug là. J'ai juste suicidé ma reine. Tac tac, allez c'est pas grave, c'est une attaque perdue. Hop là, on a rien vu, hop là. Oh là là, c'est oh, on s'amuse beaucoup sur ce live, on a rien vu. Mais est-ce que vous venez de voir une attaque? Moi je viens de rien voir là. Moi je viens de voir Ouais les gars, trop bien, venez on va faire une attaque là. Regardez, j'ai toutes mes troupes là. Regardez là, putain, j'ai toutes mes troupes. C'est énorme, trop bien. Putain, on va pouvoir attaquer les gars, c'est ouf. Allez, let's go. Hop, bah j'ai reçu des yétis, nickel. Allez, on a rien vu, hein. Let's go. Next. Replay j'aime. Quoi? Vous pensez que moi j'ai gémé? Vous pensez que moi j'ai gémé? N'importe quoi. Moi, les gars. Mais, franchement, entre nous, les gars. Entre nous, moi je suis un gémeur, moi. Voilà, moi je suis un gémeur, moi. Entre nous, les gars. On se connaît depuis un moment, quand même.
j'aurais jamais, moi j'aurais jamais ragé et j'aurais aimé toute ma compo. Les gars, ça serait mal me connaître quand même. Quand même. Moralité, du coup, j'ai pris un moins 30, mais j'ai réussi à faire un perf. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Tout simplement que, eh bien, il faut continuer à croire en ses rêves, il faut continuer à s'entraîner parce qu'un jour, j'arriverai à perf. Voilà, c'était la conclusion de ce live.